La sixième édition des Ailes Bleues, donc année 2022, a d'abord été un grand moment populaire. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus évidemment voir tous ces ambassadeurs de l'armée de l'air avec la patrouille de France et le bleu blanc rouge dans le ciel de Pornic. Mais l'essentiel de ce qui s'est passé depuis trois jours, ça a été de travailler sur le bassin d'emploi. Nous avions fait en 2019, je dirais, une opération plutôt tournée vers l'accessibilité avec le monde de l'handicap. Nous avons gardé cet angle-là aussi cette année, mais nous avons complété à la demande, je dirais, du bassin d'emploi. Nous avions fait la volonté de montrer ces métiers d'excellence qu'est l'aéronautique en France. Il faut savoir aujourd'hui que ces métiers sont en plein mouvement. Et donc les ingénieurs travaillent sur le problème du développement durable, de l'écologie verte au niveau de l'aviation. Et donc nous avons besoin de montrer à nos jeunes que les ingénieurs travaillent et qu'ils vont vers quelque chose de beaucoup plus protecteur de notre environnement. Aujourd'hui, il faut que les jeunes s'engagent dans l'armée de l'air, qu'ils s'engagent dans nos armées, mais qu'ils s'engagent aussi tout simplement dans l'aéronautique, filière d'excellence française. On a la chance ici à Pornic d'avoir des noms. Piu-Piu, Thomas Piolin, donc qui était un jeune Pornicais qui a fait un apprentissage en automobile, qui a glissé vers l'avionique, qui est aujourd'hui mécanicien sur le Rafale. Donc c'est évidemment une fierté, mais on pense aussi à Bruno Bézier, qui était colonel, patron de la patrouille de France. Donc tout ça, ce sont des Pornicais qui sont là, qui sont au service de cette excellence-là. Et évidemment, quand on est maire de Pornic, avoir un Piu-Piu, je dirais, sous son aile presque, bah, c'est juste du bonheur, quoi. Lorsque l'on fait un show aérien, comme vous avez pu voir aujourd'hui, en général, les mécaniciens, ils arrivent deux bonnes heures avant le départ de l'avion. Et on va faire tout ce qui est préparation de l'avion. Donc on va contrôler tout soit intègre, que les trappes soient fermées, les pleins de carburant, les pleins d'huile. En général, ça prend une trentaine de minutes. Et puis une fois que c'est bon, et ben, on attend le pilote qui, lui, vient prendre en compte l'avion. Et puis après, on fait ce qu'on appelle un tour avion avec le pilote. Donc lui, on refait un tour avec lui, accompagné, qui lui aussi vérifie son avion pour le prendre en compte pour le vol. Et puis une fois que c'est bon, ben, le pilote monte en cabine. Et là, on va le brader, c'est l'attacher en cabine, lui mettre ses sangles et attacher l'oxygène et la radio. Et puis une fois que c'est bon, l'avion peut partir en démonstration. Et au retour, c'est pareil. Donc, on fait un débrief pilote. Le ressenti qu'il a eu pendant son vol, s'il y a eu des pannes dans l'avion, il va nous expliquer à nous. Et nous, on va pouvoir débriefer de ça. Si l'avion est bon pour le pilote, on refait un contrôle de l'avion global. Et puis à l'issue, bah, on resigne l'avion pour remettre en ligne de vol. Alors, ce que le RSD, Rafale Sous Display, est à Pornic, c'est une grande fierté. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse ici, j'ai toujours vécu ici. Et du coup, pouvoir montrer mon travail et puis dans ma ville natale, c'est une grande fierté, oui.